Yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de mon let's play sur Ratchet & Clank, premier du nom. Et on se retrouve directement plongé dans l'action pour une nouvelle tentative de la course d'Overboard. Et si j'appuie sur rond, la course commence direct, donc je vais essayer de me préparer. Voilà, on est prêt. J'ai rien à vous dire, à part peut-être que cet épisode durera un peu plus longtemps que le précédent. Tout simplement, voilà, 15 minutes c'était pas beaucoup. Donc peut-être que 20-25 minutes seraient plus appropriées pour ce troisième épisode et dernier épisode de mes vacances. Voilà, on est parti. Ok. Ok, ok, bon pour l'instant ça commence mal, je suis toujours cinquième. La dernière fois c'était peut-être un... Ouais, on va... Je sais pas si on peut quitter ou recommencer, mais... La dernière fois ça s'était plutôt mieux passé. Ouais, on va quitter. On va recommencer, voilà. C'est parti. Parce que, ouais, faut pas trop que je m'attarde dessus non plus. On va requitter, on va relancer. Tout simplement parce qu'en fait, j'appuie sur R2. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va beaucoup plus vite en appuyant sur R2. Je pense pas que ça soit qu'une impression. Enfin, je sais pas. Oui, ok. R2, je pense que c'est un bouton vraiment pour... bah, pour faire, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris. On va quitter une dernière fois et cette fois-ci on va pas utiliser R2. Parce que j'ai failli gagner la dernière fois sans R2. Donc on va essayer de refaire la même chose. Ok, je crois que R2 en fait c'est juste pour nous faire des sortes de figures en fait. Bon allez, on va essayer de pas faire trop le con et on va y arriver. Allez. Évidemment. Oh, toujours autant de chance, moi c'est pas possible. Hein. Non mais c'est pas... On va quitter une dernière fois et cette fois-ci on va y arriver. Désolé hein, encore une fois mais... ça a vraiment... Ça a pas l'air d'être ma journée. Allez. Voilà, parfait. Attends, on va essayer d'emprunter le tremplin. Nickel. On est troisième. On continue. Bon, j'ai pas réussi mais bon c'est pas grave. Allez. On est en train de gruger là, donc c'est parfait. Allez. Parfait. On est deuxième. Donc normalement, ça se... Enfin, normalement, c'est bien parti. Ouais, sauf que là, je viens de me craquer un petit peu. Bon, c'est pas grave. On peut encore remonter. Surtout qu'il est passé par en bas, alors que je pense que bah, l'idéal, c'est de passer par en haut. J'ai quelques secondes de retard. Je pense que ça... Ça risque de mieux aller tout à l'heure. Ah, celui-là, ouais, c'est un bon virage à prendre. Ça me permet vraiment de prendre un peu d'avance sur lui. Voilà. On est premier. Parfait. On va essayer de continuer à faire la course en tête. Encore une fois, le craquage dans cette zone-là. Bon. Tout à l'heure, j'avais quand même réussi à finir premier. Donc, on va essayer de refaire la même chose. Allez. Oh, je me suis raté. C'est mort. Oh, c'est pas vrai. Putain, j'ai pas de chance, quoi. On est reparti pour une tentative. Allez. Bon, j'ai raté vraiment à rien, là. Ça m'énerve. En espérant que ça se passe pas toujours comme ça. Et en plus, là, je perds un temps fou. Non, je pense pas que je vais essayer de faire ça la prochaine fois. J'y pense... On va quitter une dernière fois. Je pense que je vais essayer de passer par en bas dans cette zone là. Parce que je crois qu'en fait c'est plus avantageux de passer par là. On va bien voir. Mais j'ai l'impression que ouais c'est un peu plus avantageux. Bon là par contre j'aurais mieux fait de passer par le haut. Surtout que j'ai pas de tremplin donc ça va être un peu la galère. Mais bon allez c'est pas grave. On est deuxième, pour l'instant on est pas mal parti. On va revenir en haut parce que je pense avoir assez de boost, mais en fait non. Non, non, en fait c'est une mauvaise idée de passer par en haut.
Bon, par contre, là, faut passer vraiment par en haut. Je pense que ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus direct. Allez. Voilà, bon, là, j'ai pris l'avantage. Oh, j'ai pas de chance. Bon, allez, on peut encore se relancer, c'est pas très grave, ça. Quoique. Parce que je suis revenu à la troisième place. Il va vraiment falloir que je fasse un tour de folie, là. Bon, allez, c'est plutôt mal parti. Bon, allez, on va tenter tout pour le tout. Ouais, non, j'ai voulu tenter le tout pour le tout et ça n'a pas marché. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête maintenant. Et on se retrouve quand une fois que j'ai réussi, parce qu'on va pas passer non plus l'épisode à faire ça. Donc, voilà, on se retrouve une fois que j'ai réussi. Voilà, les gens, donc on se retrouve... vous voyez que j'ai gagné la course. Donc ça fait plaisir. Les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet and Clank. Hey, regarde, c'est nous. Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un Zoomerator Platinum Ratchet and Clank. Modèle T15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils anti-gravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos inforobots sur le canal Quack Classique pour l'épisode du jour du Canyon de la Mort. En vedette, votre serviteur. Merci à tous et quarkez-vous bien. Hey. Ok, bon alors, un zoomérateur, donc ça va pas me servir. Je crois que c'est juste pour que je montre... pour que je le montre à... à Max, je me suis trompé là, c'est Skid, hein. Skid Max, un truc comme ça. Là vous voyez que j'ai réussi au bout de, donc je, grâce à la magie du montage, vous m'avez pas vu galérer, mais j'ai dû au moins galérer une bonne dizaine de minutes. beaucoup de personnes vont sûrement me dire, voilà, vache, 10 minutes pour ça, c'est trop facile et tout. Bah ouais, j'ai un petit peu galéré en fait. Enfin, peut-être que j'exagère un peu, peut-être pas 10 minutes, mais en tout cas, 5 bonnes minutes, c'est sûr. Allez, donc on est parti, cette fois-ci, sur... On va essayer de retrouver Skid. On va dire Skid, parce que je crois que c'est sûr que je crois que c'est Skid. Donc, soit on retrouve, soit on va accuser le Quark. Moi, je propose qu'on aille le retrouver. Donc, il se trouvait sur cette planète-ci. Donc, c'est Skid Mac Max. Ouais, donc j'avais raison. Et puis, on va donner le prix à l'agent, voilà. Et puis ensuite, on ira visiter le QG de Quark. Enjoy! Hey! Bon, allez, c'est parti. On est chaud, on est bouillant. Donc, là, il y a Skid, mais je crois pas qu'il faut donner à Skid en lui-même. Enfin, faut pas lui donner à lui, il faut donner à son agent. Donc, on va partir à la recherche de son agent. Et de toute façon, il est à côté de son agent, donc... Enfin, je crois que c'était lui, là. Vous avez réussi. Bon travail, ah non, c'est avec que l'engin. Alors, vous allez être mon agent? Et comment, petit? Et en prime, je t'offre... où est-ce que je l'ai mis, ce truc-là? Ceci. Des bottes. Cool, un casque. C'est un casque Sonic. Ça attire les souris des sables. Exact. Et il est à toi. Bon, il faut que j'aille m'occuper de la paperasse, moi. Ma secrétaire appellera la tienne. Ah bon? Tu as une secrétaire, hein? Le casque Sonic te permet d'interagir avec les mystérieuses et intelligentes souris des sables. En dépit de leur apparence inoffensive, elles sont de redoutables chasseresses. Équipe-toi du casque Sonic lorsque tu te trouves à proximité de la maison d'une souris des sables, et elle en sortira pour t'accueillir. Si tu lui plais, elle t'offrira peut-être son aide. Oh oui, je me rappelle, ouais, ok. Ouais, bon, bah, ça me paraît un peu inutile. Hein. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce qu'on pourra monter là. On a des bottes normalement spéciales pour monter tout en haut. Mais bon, apparemment, c'est pas pour tout de suite. J'imaginais qu'on allait donner, on allait me donner ces bottes, justement pour grimper, mais en fait, non. Donc on est parti pour le QG de Quark.
Et moi qui me posais la question à quoi servait ces petites choses, bah maintenant j'ai ma réponse. Allez, on est parti. Allez, let's go. C'est un peu lent ça par contre, ça casse un peu le rythme. Allez, QG de Quark. Survivre au tir Quark. Ça sent le... la séquence en vaisseau, non? Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais moi je le sens comme ça. Quoique non, parce que je pense pas qu'on puisse tirer avec ce genre de vaisseau là, donc non, non. Non, non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est une planète vachement jolie, je trouve. Enfin, allez. J'aime bien les couleurs. Ok, ok, donc là c'est... on est dans le QG de Quark et on va devoir passer certaines épreuves, je crois, pour qu'on devienne un vrai... ça me fait rire, ça. On est parti... Ouais, c'est vraiment chouette, hein, comme décor. Avec le gros QG, là. Ça fait plaisir. Alors là, on n'a pas d'armes. Donc on va essayer d'acheter des munitions. Ah, ces munitions. Ça, ouais, ça c'est super important. Hop là, et puis bah voilà. On est parti. Le swinger. Oh non, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est. Tout simplement pour revenir. Ok, totalement inutile. Ouais, j'aurais dû m'en douter que c'était inutile. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais être trop court, mais non, en fait, je crois que ça passe pile poil. Hop là, allez. Et puis là, il y a un gros, une espèce de gros canon là. On va le calmer avec un grand ravageur. Tiens, hop. Ouais, bien sûr, il va être de vachement utilité là. Putain, j'ai le don de gaspiller des munitions, moi. Ouais, surtout qu'en fait, un seul suffisait, donc ouais, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ouais, en fait, ça se détruit super facilement, quoi. Ok, il y a des mines. Voilà, parfait. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. À part au niveau du vaisseau, j'ai pas vraiment galéré. Bon, putain, vous m'avez même pas vu galérer, donc je pense pas que ça sera pénible pour vous. On est parti, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Oula, putain. Ok. On est parti. Oula. Ouais, ça va vite être chaud, ça. Mais non, rien n'est impossible pour moi. Ok, parfait. Est-ce que j'aurai une petite vie, là? Qui a une petite vie? Une petite vie? Non, personne, ok. Oh putain, non. Ah! Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, il y a une vie. On peut pas grimper sur... Ouh, putain, j'ai failli tomber. On peut pas grimper sur l'arbre. Ok, voilà, on continue, tranquillou. Ah oui, utiliser ma carte, c'est vrai. Faut pas me voir galérer pour rien. Ouais, mais bon, là, je pense que de toute façon, j'étais sur la bonne voie, donc c'est bon. Waouh, j'ai chaud. Enfin, j'ai chaud. J'aurais été mort, j'aurais fait pitié, mais... Ok, donc si j'arrive à passer ce mur de mine, ça devrait aller. Oh putain, non. Oh, la galère, quoi. Oh, tout refaire, putain. Et dire que je disais qu'on s'en sortait pas trop mal et puis que moi je meurs comme une merde. Ouais, là vous pouvez vraiment dire que je suis mort comme une merde. Hein. Et je pense pas qu'il y ait d'autres mots. Bon, allez, on va essayer de se dépêcher un peu. Oh, et puis c'est chiant ce truc.
Voilà. Allez, vire-toi. Bon, j'avais dit qu'il fallait économiser les boulons, donc on va les économiser. Y a pas un truc des sables, je sais même plus comment ça s'appelle. Que ça pourrait peut-être m'aider. Non mais vous êtes sérieux là? Je croyais les avoir tous niqués. Waouh putain, mais je suis un boulot quoi. Ok. Bon allez, là c'est parfait. J'ai plus qu'une vie, donc on va faire extrêmement attention. En plus, les chances, c'est qu'elles sont peut-être chercheuses. Ouh putain. Et en plus, ouais, non, attendez. J'ai plus de mun. Je suis dans la merde. Ah bah, mine contre mine. On paye pas de mine. Trop lolol. Non, sérieusement. Waouh, j'ai flippé. Ok, parfait, nickel. Wow, j'ai réussi à m'en sortir. Vous n'avez rien entendu, hein. Ma vanne était complètement bidon. Vous n'avez strictement rien entendu. Tchic. Oh là là, quel génie je suis. Ouais, mais ça fait rien, ça, en fait. Non. Gon à bombe. Ah, place de mitraille, nickel. Hey! What else? L'espresso? Non, allez, go. Un. Check. Nickel. Enfin, je crois. Ah, bah non, apparemment pas nickel. C'est nickel. Attendez. Bah oui, là. Oui, là. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai galéré, non. Ok, parfait. Ah! Non, c'est bon. Allez, une vie, ça fait plaisir, putain. Allez. Oh, j'avais même pas vu ça. Ça vient d'où? Ah ouais, ok. Chaud. Ouais, chaud parce que... Non, ça me tue, ça. Ah ouais, non, mais il fallait prévenir, quoi. Il faut que je fasse attention à peu près à tout, quoi. Ok. ouais, super. J'ai réussi à enlever son masque. Génial, vous allez me dire. Voilà, on va pas perdre de temps. Et surtout des boulons. Hop, là, plop. C'est nickel. Ok. Bon, une balle suffit, ok. Parfait, bon alors. Ah non, une balle suffit pas, en fait. Swinger. Parfait. On est parti. Voilà. Pour l'instant, tout marche bien. J'ai plus de munitions, donc on va utiliser quand même mine. Ah ouais, mais non. Je peux pas, là. Oh putain, il me faut des munitions, les gens, là. Sinon, je vais vraiment galérer. Bah, je vais esquiver, hein, les gens. On va tâcher de faire ça. Un petit coup de clé, ça fait quelque chose ou pas? Ouais. Hop. Petit coup de clé. Un petit coup de mine aussi. Voilà. Voilà. Parfait. Wouh. Bah, il est là. Ceux qui disaient que je galérais. C'est totalement faux. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller récupérer son petit truc à lui. Ah oui, mais attends, je crois que je suis complètement un imbécile. C'est pas illimité comme temps, en fait. Ah oui, en fait, donc je suis complètement con, en fait. Ok, bon. On va essayer de se grouiller un peu. Hop là. Parfait. Attends, il nous faut le deuxième. Certains sacrifices sont nécessaires, n'est-ce pas? Bon,
C'est bon là, non? Je sais pas. Voilà, parfaite. Parfaitement parfaite. Ok, donc là la porte est ouverte. Magie, magie. Et des vies. Oui, des vies. Génial. Enfin. Ouah, putain, non, mais sérieusement, mais non, mais. Oh, ça s'approche ces trucs. Ouais, je suis en train de gaspiller des munitions pour rien en plus. Ah. Ah. Venez. Venez, venez. Ah putain, non. Voilà, je crois que j'ai compté. Je crois que le compte est bon. Ah ouais, non, mais en fait, elles arrivent pas là où je veux, en fait. Non. Non, je suis pas mort, là, non. Non, merde, quoi. Putain. Non, mais là, faut arrêter les conneries, quoi. J'étais même pas mort. C'est abusé. J'ai lancé les mines et tout, et ça a rien fait. Ouais, je me dépêche, les gens, hein. Il y en a qui vont encore râler, je sais, mais là, putain, ça m'a gavé. Putain, je pensais que les mines, voilà, ça ferait le job. Y'a même plus de munitions, vous voulez quoi, les gens? Putain. Ah, désolé si je m'énerve, là, mais... C'est même pas ouvert, bah ouais, putain. Mais j'ai rien, pire. J'ai du gant à mine, ah bah ça, j'ai du gant à mine, mais c'est tout ce que j'ai. En plus, ça sert à rien que je fasse péter ça. Ok, bon, allez, on va faire le fou, là. Allez, 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 allez. Oh merde, c'est pas là. Ouais, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, c'est bon. Allez, on est reparti là, on était tout à l'heure. Mais bon, on a plus que 15 mines. Pff, ouais, je fasse quoi, moi? J'ai bien ça, mais... Ouais, j'ai utilisé ça. Bah, je n'ai pris que 2. Ça devrait suffire. Et regardez, même avec ça, je meurs. Un petit dernier. Et ça ne veut pas me lâcher. Bon allez, j'ai plus que 2 vies, mais bon, au moins, je m'en suis sorti, parfait. Quand je vous crois en fait, hein, ceux qui me disaient oui, tu vas faire, enfin, si tu galères déjà maintenant, tu vas galérer à la suite du jeu. Oui, bah vous avez raison les gens. Hein. Je galère. Y a rien à faire avec ça. Non. Et j'ai plus que... Ah, j'ai rien. Moi, j'ai utilisé le gant à mine. Y'a rien derrière moi. Oh, j'étais sûr. De toute façon, c'était même pas caché. Hein. Ça aurait été encore pire si je l'avais pas vu. Allez. Attends, je l'ai bien réussi quand j'avais 4 ans. Alors, je suis bien capable de réussir quand... à 14 ans, non? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des poissons? Oh, il y a des poissons, putain, j'aime pas ça. J'aime pas les poissons. J'aime pas les poissons. Je veux pas manger les poissons. Ah! 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 Putain, je sens que je vais pleurer. Mais regardez où il est le poisson. Ah, je peux le détruire. Hihi. Petit poisson. Tu veux jouer avec moi, petit poisson? Oh putain, non. Oh putain, je vais faire quoi, les gens? Ah. Putain. Aïe. Putain, mais j'ai pas compris. Il faut que je rentre dans le tuyau, mais il y a le poisson. Putain, ça se trouve, en fait, il fait rien, le poisson. Ou alors, je peux le niquer. De toute façon, on va prendre des risques. Ah oui, non, mais non. On peut pas le tuer, ce poisson. Ah, mais si. Alors. Alors, le poisson. On va en faire du poisson pané. Ha ha ha. Mort de rire. Putain. Qu'est-ce que je raconte comme merde? Eh, j'ai plus de munitions, les gens. Putain, c'est trop la galère. J'ai des vies, ouais, super, j'ai des vies. Alors, génial, oh waouh. Ça, c'est la grande classe. Oh,
Oh, ah non, mais les gens là, mais c'est du suicide, sérieusement. À la fois, il y a des bigarneaux. Ouais, bon, je crois qu'il faut faire ça. Hein. Enfin, j'imagine. Ah, mais là, ils vont me bouffer tout cru, c'est mort. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, je le dis en plus. Du coup, ils vont me bouffer tout cru, mais pff, rien à foutre. Fin. Et le pire, c'est qu'en fait, c'était super simple. Il suffisait de les tuer. En fait, il suffisait de les tuer, quoi. Et après, je vais faire activer l'eau et je me rends compte une fois que c'est... Ouah ! Une fois que c'est foutu, quoi. Non, mais je veux dire, je suis bien, quoi. Je suis trop intelligent. Putain, j'ai plus de munitions, quoi. Putain, les mecs, ça va être chaud. Ça va être chaud... chaud boudin. Non, je sais pas. Chaud, tout court. Chocolat. Chaud cacao. Ouais. Oh, putain. Alors là, je fais tuer... Ah, les gants à bombe. Nickel, ça. Alors... Alors, c'est qui le papa? C'est qui le papa? Oh putain, je suis fatiguée là. J'ai de la merde et tout, c'est chaud là. Allez, on est parti. J'aime pas les poissons. Je déteste. Non, sérieusement, je... Même là, je fais le gogol, mais... Non, sérieusement, je déteste les poissons. Enfin, tout ce qui est marin. Les méduses. Donc là, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hop là. L'épisode va bientôt se terminer, je pense. On est quand même pas mal avancé dans la vidéo. Malheureusement, vu que j'ai un peu galéré, bah, je peux pas trop voir à combien de vidéos je suis. Mais je crois que je dois être dans les 20-30. Je sais pas trop. Dans ces eaux là, c'est le cas de le dire, dans ces eaux là. Oula, bah y'a un poisson qui est carrément retourné là. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, bof. Bon, bah je crois que j'en ai fait qu'une bouchée. Ça va barder pour la pascaille. Ok, donc faut que je réactive l'eau, d'accord. Bon. Non, mais c'est bien en fait, on perd pas trop notre temps, quoi, ça qui est bien. Après, vous me dites, ouais, tu mets tout le temps, enfin, tu galères et tout, mais c'est pas moi, c'est le jeu qui est comme ça. Regardez, chaque fois, faut toujours refaire quelque chose. Allez, je suppose qu'il y a un truc là, non, pas du tout, ok. Ok, ok, on va bientôt s'arrêter, hein. Je regarde si on est près du but. On est près du but. Ouais, c'est compliqué de s'arrêter à un si bon chemin, mais... Je vois pas ton intérêt si on devait... baisser l'eau ou pas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah... Oh, putain, je sens la galère, là. Oh, je la sens. Il va y avoir des poissons et tout, j'aime pas ça. Ah, j'avais raison. Gant à bombe. Ah non, j'ai du gant ravageur, attendez les gens. Allez, 1 pour 4. Oh mais dans l'eau ça marche pas. Oh putain non. Ouais, et... je m'en sors pas trop mal les gens. Voilà. Je récupère les petits boulons, j'espère d'en avoir 10 000. Et puis bah, on va essayer de monter, hein. C'est un peu le but, je crois. Je suis pas sûr, hein. Putain. Bah, si vous voulez vraiment que je sois un peu plus dynamique, un peu plus joyeux, bah voilà. Après, voilà, faut accepter la contrepartie, quoi. À la fois, je dis de la merde, voilà. Soit je dis de la merde, soit je suis normal. Ah ouais, d'accord. Tous les coups, faut que je réactive ça. Et pourtant, je sais, mais je vais quand même essayer. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est tellement évident. Putain, ça m'énerve. Le pire, c'est que je le savais, quoi. Et puis, pourquoi je peux pas remonter? Parce
compliqué. Hein. C'est compliqué. Putain. Allez. Ok, génial. Ça veut être tout simplement génial. Yeeha. On est bientôt arrivé, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. Donc ce 8ème épisode qui aura été plutôt long, donc je vais regarder vite fait à combien on est de vidéos, même si bon ça va pas vraiment être très clair pour vous. À mon avis, on est aux alentours de 30 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là. Moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et ciao à tous.